L'affaire est vraiment inquiétante. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'Olympique de Marseille. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, Marseille, les gars, ils ont perdu contre le Panathinaikos en tour de barrage de la Ligue des Champions. Il faut le souligner, c'est le troisième tour de barrage. C'est-à-dire, si Marseille, on prend peut-être un exemple, si Marseille se qualifie pour ce barrage, ils vont encore jouer un autre barrage pour se qualifier en phase de poule de Ligue des Champions. Donc, Marseille a deux barrages. S'ils gagnent ces deux barrages, ils sont en phase de poule. Mais ça a très mal commencé. Ils ont perdu 1-0 contre le Panathinaikos. Et du coup, ça commence à inquiéter les gens, notamment nous, les observateurs de Marseille. Parce que lorsqu'on a vu Marseille, on a vu Marseille très beau, c'est le premier match, mais on a vu Marseille très beau avec les Aubameyang, les Kondogbia et j'en passe. Mais on a oublié que défensivement, ça n'a pas. C'est une défense qui n'est pas trop solide. Ils ont une défense friable. Et franchement, cette défense peut leur jouer un sale tour. On l'a encore vu face au Panathinaikos. Donc, Marseille, oui, ils peuvent se qualifier encore, mais il faudra qu'ils fassent un gros match face au Panathinaikos, au Vélodrome. Ils doivent vraiment faire un très gros match, très gros match, un match quasi parfait. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu vois Marseille se qualifier? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao!